Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais bien, oh, je vais bien. Vacances sont en train de finir. Vous savez, dans la vie, là, il y a des défauts quand tu les as depuis que tu es petit, là. Les défauts, là, tu les gardes jusqu'à vie. J'étais le genre de personne. C'est-à-dire, à l'école, quand on s'en va en vacances, on s'en va en congé de Noël, là, les devoirs qu'on donne, là, c'est au dernier jour, la veille. Que maintenant, quand je vois que demain, c'est la rentrée, c'est là, ils viennent. Non, c'est ça. Ça, c'est resté sur moi. Vous voyez, non? Je reprends le travail dans 2 jours. C'est maintenant là, je suis descendue pour faire le ménage, pour arranger tout. C'est ça, vous me voyez comme ça. Vous me voyez comme ça. Bon, j'ai vu le spécialiste de la toile. Oui, j'ai vu celui que je vais appeler le psychologue de la toile. Je vais même l'appeler Brian Russell. Vous savez qui est Brian Russell? C'est un célèbre psychologue américain. Vous vous rappelez de l'émission, vous qui suivez les émissions de crime là? Amour fatal, il y a deux psychologues. Il y a une femme, on l'appelle Stacy Kaiser. Et puis, il y a un même monsieur qui aime porter les costumes, mais de cette façon-là. Il s'appelle Brian Russell. Donc, monsieur le spécialiste, le grand psychologue de la toile, lui, quand nous qui aimons les papatos, là, quand d'autres finissent de transpirer, et puis moi, je viens faire Congo ça dedans, là. Lui, quand il vient, et puis il dit, non, j'ai dit, tata, vous savez de qui je parle. Arrêtez de confondre. Vous savez bien de qui je parle. Monsieur, j'ai vu votre raisonnement sur Dougoutigui hier. Ça dit, vous manquez de sagesse parfois. Je vous dis, parce que vous êtes un adulte comme moi, on se parle respectueusement. Vous venez faire un raisonnement sur Goutigui, vous l'insultez sur son physique, c'est pas qui ton direct, tant, brique, ça se fait pas, monsieur. Ce garçon-là, il pourrait être votre fils, Goutigui. Mais je dis que c'est pathétique parfois la façon dont les gens réfléchissent. Goutigui. Oui, c'est vrai. Il a reçu de l'aide, il a reçu des poulets, il a reçu tout ce que vous voulez. Mais quand vous parlez là, il y a un élément que vous oubliez de souligner. Dougoutigui n'a pas été encadré. Est-ce que ce garçon-là, tout ce qu'on lui a donné, on a trouvé le besoin de vraiment l'encadrer, de l'aider? Quand je dis encadrer, c'est sur tous les plans. Parce que quoi qu'on dise là, Dougoutigui, il est jeune, c'est un enfant. Oui, vous allez me dire, il est adulte, je ne connais pas son âge, mais ce garçon, quand je le vois, je ne sais pas si. Je peux pas. Je me dis qu'il n'a même pas 25 ans, quand même, là. Donc, c'est-à-dire qu'on a donné quelque chose à quelqu'un, mais peut-être que qu'il a dépassé. Ça arrive aussi. Mais pourquoi dans les autres, c'est-à-dire qu'ailleurs, il y a toujours la deuxième chance. Et puis, entre nous, les Africains, oui, vous allez me dire que qui va lui donner la deuxième chance? Personne ne va lui donner la deuxième chance, mais on n'a pas besoin. De venir, ça dit que taper le clou encore sur quelqu'un qui est à terre. Vous comprenez? J'étais vraiment, ça dit que les gens sur la toile insultent sur le physique, tout et tout, je suis d'accord. Mais vous, un monsieur respectable, ça dit qu'un adulte, vous ne pouvez pas venir faire un raisonnement et puis ce n'est que des injures sur le physique de quelqu'un qui pourrait être votre enfant. Franchement, vous m'aviez déçu. Monsieur le psychologue Brian Russell. Ça dit. Souvenez-vous du temps des fonds sociaux. Quand on a donné, ça dit que tous ces fonds à ces jeunes, tout et tout, pour faire des activités, celui a dit je fais ça, celui-là a dit je fais ça. Il y a certains même qui ont pris ces fonds-là et puis ils sont allés, ça dit qu'en Europe, c'est ça. Mais ceux qui sont restés sur place, tous les projets qu'ils ont fait, ça a foiré parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Moi, je viens soulever cet élément-là dans cette vidéo. Oui, on a donné la ferme à Dougoutigui, mais les gens n'ont pas eu, ça dit que ce réflexe-là de dire, tiens, cet enfant-là, il est jeune et puis il était passé par les réseaux sociaux. Donc, si même là, l'argent qu'il gagne là, il y avait quelqu'un pour suivre ça, pour que au moins ça soit, on banque ça quelque part, ça soit calé quelque part dans une banque et puis juste sa façon de travailler. Ce garçon-là devait travailler sous une grande supervision. On devait superviser ce qu'il fait pour voir si les choses roulaient bien. Mais l'enfant n'a pas été, ça dit que l'enfant n'a pas été supervisé, il n'a pas été coaché. On lui a donné la ferme, on a fait la publicité, tout et tout. Lui aussi, il s'est retrouvé comme une star et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Il se retrouvait dans les bars, tout et tout. Donc moi, je demande un peu d'indulgence. Je demande un peu d'indulgence parce que ce qui est arrivé, ça, c'est ce qu'on appelle des erreurs de jeunesse. Ça peut arriver à tout le monde. Ça dit que le succès l'a dépassé, il s'est retrouvé à faire des folies. Mais est-ce que ça vous donne le droit? Vous, monsieur le psychologue. Parce que quand vous parlez là, c'est vous, votre raisonnement qui est bien. Hein? Je parle du psychologue qui est Abigail, c'est à vous que je m'en. J'ai dit que pour le moment là, nous on vous regarde, mais le jour que ça va tomber sur vous, j'ai dit, on va vous déchiqueter sur la toile. Je vous dis ça.
Parce que souvent, vous avez des raisonnements où vous vous croyez au-dessus des autres. Je n'ai pas aimé le fait que vous soyez venu. Ça dit que vous vous dites en tant qu'intellectuel. Je demande ce monsieur-là. Il est un assistant social en Côte d'Ivoire. Qui il est? Et puis quand lui il parle, c'est comme si, bon, ok, fine. On laisse ça comme ça. Mais votre raisonnement sur Dugoutigui, ça n'a pas été correct. Ce garçon-là, on lui a donné la... Ça dit que tout ce qu'il fallait, mais il n'était pas encadré. J'entendais ce... Oui, c'est vrai, on l'insulte, on lui dit tout ce qu'on veut, mais il a quand même donné sa part. Vous reconnaissez que des gens aussi sont allés sur la tête de ce jeune homme-là. Ils sont allés aussi pomper dans son argent. Pourquoi cet élément-là, vous ne le soulevez pas? Je reconnais qu'il a fait des erreurs. Je ne suis pas ici pour défendre Dugoutigui. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est la réalité que j'ai dit. Les éléments que lui dit, oui, ma secrétaire, tout, trouvez-vous correct qu'il ait une secrétaire? Secrétaire de quoi? Hein? Dugoutigui est secrétaire là, c'était quoi? Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient organisé quelque chose pour arnaquer aussi ce garçon. Je n'ai pas dit qu'on dit les parties dans les bars pour faire le boucantier. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait ça. Mais je suis en train de vous dire que ce garçon-là, il a été aussi, c'est-à-dire que des gens ont vu en lui comme une eau poissonneuse où des gens sont venus pour pêcher dedans. Et puis bon, avec ça, puisqu'il n'était pas encadré, il était comme livré à lui-même. C'est donc ça a donné ce résultat. Si on veut parler, c'est des conseils qu'on va donner à la jeunesse. Oui, c'est vrai, quand on vous donne, vous savez que l'Afrique, c'est déjà un continent, comme j'appelle ça, le continent de l'incertitude. Donc, quand on vous donne là, attrapez pour vous, mais ce qu'il a fait, ne passez pas par là. Voici des conseils qu'on va donner à la jeunesse. On ne va pas venir insulter quelqu'un sur le physique. Je dis que les Africains, nous sommes les plus souffrants sur la terre. Nous sommes les plus misérables. C'est nous qui critiquons les autres sur leur physique, sur leur habillement. On vient donner des messages. C'est notre physique, vous regardez. C'est notre habillement. Elle est mal habillée. Maman, je suis mal habillée, mais là où je suis rendue, là, tu n'as pas encore le début. Donc, il faut écouter mon message et puis tu passes. Vous comprenez? Vraiment, moi, tout ce que je vous demande, c'est de l'indulgence. Il a perdu. Qui va revenir à lui? Comme dit mon mari, comment on appelle ça? Le mot chance là, ça ne se conjugue pas au pluriel. Que ce soit en français, on dit, comment on appelle ça? La chance. Dans mon dialecte, on dit Djoru. Djoru là, ça veut dire la façon dont c'est prononcé, ça veut dire c'est au singulier. En anglais là, de luck. Donc ça veut dire que c'est toujours au singulier. On a déjà dit les chances. Donc ce qu'on a donné à Dugoutigui là, pour lui, on lui a donné, c'est fini. A-t-on besoin de venir l'insulter, le rabaisser, le ramener toujours qu'il est orphelin, tout et tout? J'ai pas apprécié. Oui, je suis assise là, je peux rien faire pour Dugoutigui. Donc il n'est pas venu pour l'enfoncer, pour l'insulter sur son physique, tout ça. En tout cas, que tout le monde l'insulte sur son physique, on a vu ça de partout, mais vous, monsieur le psychologue, puisque vous êtes notre psychologue de la toile, c'est vous qui êtes dans des... Ça dit que vous avez votre raisonnement, quand vous avez dit pour lui là, pour vous là, tout le monde va dire amen. Donc vous ne pouvez pas venir insulter un enfant, un garnement, un petit jeune homme là qui peut être votre enfant sur son physique. J'ai trouvé ça vraiment pathétique. Mais c'est mon raisonnement que j'ai dit, ce garçon n'a pas été encadré. Et puis, des gens aussi ont profité sur sa tête. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Si se prenez soin de vous, le travail qui m'attend là, je vais aller affronter ça. Au revoir.